Les babilekés me bimikou, me bimignar, me bimingoué avec tous les détracteurs des hommes-là. Vous êtes les me bimignar, me bimingoué. Quoi? Les hommes-là vous dépassent en tout, du pied jusqu'à la tête. Dégâts! Ouais, venez! Vous allez ravaler votre jalousie. J'interpelle votre patriarche Soukoujou pour lui dire que ses enfants babilekés sont une honte pour la nation camerounaise. Ah bon? Et pourquoi? Il s'exprime que par les injures à travers la ceinture. Il s'exprime que par les parties anales et les parties génitales. Ils ont, leur forme de comportement est extrêmement violente et envahissante. Pour que les gens les aient, et ils sont tribalistes et haineux. Ah bon? Ah oui. Une honte. Ils ne peuvent pas poser une suite de mots sans parler du cul, des fesses, de l'anus, de devant, de derrière. Au bout d'un moment, on en a marre. Les autres personnes ont une autre éducation. Dites à votre chef Soukoujou que vous êtes une plaie pour, par votre comportement à la nation camerounaise. Vous ne savez pas vous exprimer? En dehors que l'anus, les fesses, le cul, le piment, c'est quel genre de personne ça? Et vous voulez mélanger les mélangeables? Venez argumenter, ils sont pas capables d'argumenter le piment. Et quand tu vois les faux coups, les camps, même les poids, quand ils mettent à Tangana, ils ont usurpé le nom d'un état. Après, ils ont des faux profils bizarres, toujours les mêmes rangs. Votre chef Soukoujou doit vous interpeller. Vous êtes une honte pour le Cameroun. Vous vous exprimez qu'à travers les parties génitales. On n'a pas la même éducation. Vous êtes toujours les fesses, l'anus, le cul, vous ne savez pas vous exprimer autrement. Regardez-moi des gens comme ça. Amogobelinga, vous dépasse sur, dans tous les sens du mot dépasser. Et je dis que c'est un ordre. Vous allez seulement me mettre dans toute la toile, me tourner, m'appourer. Tant que vous me. Je dis que vous allez m'afficher dans tout. Je dis que vous devez découper aussi cette vidéo parce que j'arrive en paratonnerre encore. Ce n'est pas que me tourner, je vais être célèbre, hashtag number one. Être à la tête de tout Facebook, TikTok. N'oubliez pas TikTok. Et aussi Twitter. Mettez-moi là-bas. Oui. On n'avait rien à dire, les Bamilekés. Les Bamilekés allaient agoniser ailleurs. Les Bamilekés allaient agoniser ailleurs. Vous n'avez pas encore pleuré le gros cul de vos sales mères qui ont accouché, les sales abortons Bamilekés qui viennent emmerder les gens au Cameroun. Vous êtes les qui? Allez pleurer à Jérusalem. Vous êtes les qui? Vous pensez que tout le Cameroun vous appartient, que vous êtes qui? Jean-Pierre Amogobelinga vous dépasse avec vos immeubles tordus là. Il vous dépasse en tout et c'est ça qui vous fait mal. Il va sortir, Yoha. Vous n'avez pas encore pleuré. Tentez de le condamner, vous allez lire l'heure. Tout le Cameroun vous regarde. Tout le monde a vu le complot là. Tout le monde a vu et nous. La honte, les coups d'état manqués, comme les gens disent, là vous-même vous racontez ça partout. Valsero nous a dit que c'était un coup d'état manqué. Valsero nous a dit que l'homme à la banque a liquidé Martinez pour faire porter le chapeau aux hommes-là. C'est Valsero qui nous a dit ça. Général Mbimoukoup Valsero, Mbimoungwe, Mbimignac. Mbimoungwe, Mbimignac. Général autoproclamé Valsero nous a dit que l'homme à la banque eut exécuté Martinez Zogo et fit et a pour intention pour faire porter le chapeau aux hommes-là. C'est Valsero Mbimoukoup Mbimignac qui a dit ça. Vous payez un homme qui développe le Cameroun, qui emploie beaucoup de Camerounais, qui veut enlever la misère au Cameroun, vous allez le mettre en prison sans preuve. Et vous croyez que vous allez venir nous fermer la bouche sur Facebook? Les gens qui ont grandi dans des cours communes, quand les parents allaient vendre les arachides, aucune éducation, les totems si, les totems, aucune éducation, vous venez agoniser ici, vous n'avez encore pas pleuré. Vous n'avez encore pas pleuré. Je suis dans tous les postes des Bamilekés et de tous les détracteurs de notre homme, le Jean-Pierre Amogobelinga, qui est détenu à Condéli pour arrestation illégale et arbitraire. On peut pleurer comme ça. C'est-à-dire que je suis déjà célèbre, que je tourne là-bas. La toile, il y a un poste sur moi, il y a une vidéo sur moi. Aïe, dès que vous avez fini de me célébrer, merci mes gens, merci Aurélie, Lyon Abdel, merci oh, tout le monde qui est là. Dès que vous avez fini de me célébrer, dès que vous aurez fini de me célébrer, je vais vous cueillir. One by one. Calme, le combat est long, la route est longue. Le combat, c'est la résistance. Et nous sommes des résistants prêts. Nous sommes déjà formés sur le terrain depuis 2018. Amaf Midé, c'est révolu. Vos petits trucs que vous pensez que vous allez mettre les gens sur la table. Vous me rendez uniquement très très célèbre. Et j'ai pris tous ceux qui ne sont pas encore abonnés de vous abonner, de liker la toile, les pages et d'envoyer même les étoiles. Vous croyez que quoi? Eux quand ils envoient les étoiles dans leur connerie là, envoyez les étoiles, abonnez-vous. Je suis célèbre sur la toile. Je vais vous cueillir les uns après les autres. J'attends d'abord que vous me célébrez. Et je vais tous vous cueillir. Mes mines sont pattes. Mes mines pattes. Et je vais faire la fête de chacun d'entre vous. Je vous laisse d'abord me célébrer. Rendez-moi plus célèbre. Multipliez les posts et les directs sur moi, c'est un ordre. Parce que si vous croyez que vos petites méthodes que nous on maîtrise depuis 2018 peuvent décourager quelqu'un, vous me galvanisez encore davantage. Parce qu'on demande souvent que vous me galvanisez davantage. Ça montre que ce que je dis a du poids et a de l'impact sur vous. Vous allez marcher ou pas. Ça prouve que tout ce que je dis vous déstabilise dans votre plan. Parce que nous avons le pouvoir. Vous n'avez pas. Vous n'aviez pas prévu ça. C'est-à-dire que je rentre du travail aujourd'hui célèbre dans toute la toile. Chloé, tu as vu ça, non? Est-ce que Chloé, tu as vu ça? Blanchon, vos gommes, Jean, est-ce que vous avez vu la célébrité de votre soeur sur cette dalle? C'est-à-dire que je rentre du boulot, j'ouvre Facebook. C'est moi qui suis identifié partout. On peut être célèbre comme ça à Daba. Une vieille combattante comme moi, de la vieille école du combat à l'époque où la basse était chaude. On a mis les bêtises dans les six euros. Et vous croyez que c'est pour Jean-Pierre Amogobelinga que vous pouvez
Parce que vos petites méthodes là sont, me font rire. Parce qu'en 2 jours, j'ai gagné 1000 abonnés. Donc, abonnez-vous sur la page, faites vivre la page. Allez, je demande de multiplier les directs sur moi. Et après, je vais regarder les personnes. Et je vais vous cueillir, one by one. Et ça va faire parler de mon somme-là à monter son algorithme. Oui. C'est-à-dire que les petites méthodes, vous n'avez pas changé les méthodes de 2018 qu'on maîtrise. Quand vous multipliez les directs, ça me rend plus célèbre. Même ceux qui ne me connaissaient pas, qu'on me connaisse déjà. C'est un ordre. Tous les détracteurs de notre somme-là, multipliez les posts sur nous. Pas que sur moi, moi et tous mes frères et sœurs de lutte. C'est un ordre. Ça montre que l'impact, la puissance de frappe, vous ne vous êtes pas attendu à ça. Mais nous sommes des autres. Ce n'est que le début. Vous n'avez pas encore pleuré. Les pleurs partout, avec les bamilekés sur la toile et les écanfélatés, tous les détracteurs des hommes-là. Vous n'avez pas encore pleuré. Nous, on est encore en train d'allumer le moteur que vous êtes déjà tous au sol. On arrive encore. On n'a pas encore pris le virage que vous êtes déjà tous au sol. Multiplier, ça montre que ça a tout le sens. Ça montre que tout ce qu'on fait, ça a tout son sens. Ça montre que on frappe là, il faut multiplier une seule sortie de la fille. Tout Facebook est en transe. Même les kangourous. Regarde-moi les bamilekés qui viennent ici, le gros cul de ta sale mère, la pute Constance Sinclair Tabi, sale bamileké, je t'emmerde. Avortons de ton état. Va te pendre. Donc, va te pendre, je vous emmerde, vous et tous vos commanditaires. Le goût de ça, la fille du homme-là, la sœur du homme-là que je suis. La sœur de Jean-Pierre Amoukoubelinga, mon frère du village, et quand vous ne me pouvez pas avec tous ces détracteurs. Vous tous réunis, vous ne me pouvez, vous ne nous pouvez même pas. Parce que nous, on a la consistance, l'intelligence, et les soutiens du homme-là sont des soutiens pur, avec le cœur, perspicace. Merci beaucoup, ma mère. Ma mère, ta fille, ma mère Adèle. Maman Adèle, ta fille est célèbre dans tout Facebook. C'est-à-dire que je suis dans tous les posts de Facebook. Maman Adèle, ta fille est dans tous les posts de Facebook. On peut être célèbre comme ça, Adama. C'est-à-dire que je rentre, je multiplie, je vous donne l'ordre et c'est un ordre. Multipliez les posts sur moi parce que j'arrive. Ce que je fais encore là, que je faisais là, ce n'était que l'échauffement. Nous sommes encore à l'échauffement, vous êtes déjà avec les pleurs partout. Ce n'est que l'échauffement. Parce que nous allons arriver en paratonnerre. Célébrez-moi dans tout Facebook. Quand vous allez finir, je vais venir vous cueillir. Mes mines sont pattes. One by one. One time. Je vous dis que le combat, c'est la résistance. Le combat est long. Et avec ma mère Adèle et tous mes gens, la merci. Bonsoir, oh, bonsoir, Josiane. Bonsoir, le village. Bonsoir, le peuple. Josiane, on doit ma petite sœur. C'était toi l'autre jour, maintenant c'est moi. Après, c'était Capi des Capi. Après, c'était VP de l'ordre. Après, c'était Zogo. Après, c'était tout le monde qui. Nous sommes tous passés. Après, c'était Liliane. Après, c'était Alain Christian. Nous sommes tous chacun célèbres à son tour. C'est-à-dire que ma petite sœur, je rentre du travail. Je trouve tout Facebook. C'est-à-dire que ta sœur, quand c'était toi là, comme on a pris le pouvoir parce qu'on framponne. Et avec ma sœur Josiane que vous voyez là, nous sommes et tous nos soutiens là, et tous ceux qui commentent là tous. Les Joséphine, les Aurélie, tout le monde, les Arnold, les mamans, nous tous là, que ceux que je ne vois pas pour l'instant. Nous sommes les anciens combattants de depuis 2018. Qu'est-ce que nous n'avons pas essuyé sur ce Facebook? Nous avons essuyé tout ça. Il faut changer de méthode. Vos petits trucs là, quand vous pensez que vous allez prendre les photos, découper les vidéos, aller afficher, c'est du réchauffé. Et nous, on aime ça. On aime ça. Bonjour Suzanne, on aime ça. On adore. C'est-à-dire qu'on peut être célèbre comme ça. J'arrive du travail, mon nom était... C'est-à-dire que j'étais dans le hashtag, comme ma soeur Josiane était l'autre fois là, avec Capi des Capi, après avec VPL. Nous tous là, on est passés, nous tous. Je tue, c'est mon tour d'être dans le first hashtag. C'est-à-dire que déstabilisation forona. Moi, je suis la sœur du homme, l'homme Amoukoubelinga. Ayo, détenu à Kondenissou. Arrestation arbitraire. Le combat ne fait que commencer. Vous êtes déjà en transe. Il faut serrer les ceintures. Parce que nous, on est encore à l'échauffement. Serrez vos ceintures. Un seul direct, une seule sortie. Vous avez dit que vous avez envoyé Barcelone. Vous pleurez partout. Pourquoi? Avec les bamilekés ici. Minute criminelle, John, partout. Vous avez dit que vous avez. Vous partez chercher les secours. Vous vous accrochez au petit dernier. Nous vous écrasons du deux. C'est-à-dire que je vais. Finissez de me célébrer et je mets une tape. Je vais attraper chacun d'entre vous et je vais broyer. Parce que nous ne blabons pas. Nous sommes encore à l'échauffement. Nous sommes encore au stade de l'échauffement. Et vous pensez que vos petits trucs là que vous allez nous décourager, vous n'avez jamais vu ce qu'on appelle Bisirngan. La détermination, vous n'avez peut-être jamais vu. L'homme d'affaires est quand le meilleur de sa génération qui construit et veut relever le Cameroun. Vous blaguez avec l'équipe parce que les affamés veulent mettre un coup d'état au Cameroun. Vous croyez que nous, on va venir laisser. Serrez vos ceintures, parce que le virage sera dangereux. Maintenant, quand même, serrez vos ceintures, clan ou quoi, je n'ai rien à foutre de vous. Nous n'avons rien à talquer et on s'en carre le nom. Et c'est un ordre. Vous allez agoniser, vous allez multiplier les directs et tous les posts sur moi, parce que je vous donne l'ordre. Je vous donne l'ordre de me rendre de plus en plus célèbre sur Facebook, j'en ai besoin, parce que le virage que nous allons prendre avec l'histoire du homme-là est inédit. Et rien ne peut nous décourager. Vous pouvez faire quoi? Tant qu'il n'est pas dehors, vous ne pouvez pas respirer dans ce Cameroun-là. Parce que les arrestations illégales et spectaculaires, sans autopsie, sans ADN, sans le corps, la honte dans le monde entier, on ne peut pas accepter ça.
On vous a attrapé. Maintenant, libérez notre homme, le point. Donc, vous multipliez les petites posts sur moi dans tout Facebook. C'est un ordre. Me termine, il peut me bouillir. Mais on n'a pas encore pris le virage avec mes frères et sœurs de lutte. Nous ne sommes qu'au début, mais moi je constate que vous êtes déjà en agonie. Vous pleurez partout, partout, mais mon nom est affiché dans tous les postes des petits, des affamés, des asticots, des déficients mentaux, des toxico-dépendants, des paumés de la vie. C'est-à-dire que je suis affiché dans tout Facebook. Et continuez les affiches. Parce qu'en deux jours, j'ai gagné 1000 abonnés. Facebook m'a dit félicitations, vous avez gagné 1000 abonnés. Et je vous demande de serrer les ceintures parce que le virage, je vous dis que si on tente de le condamner, ça sera le virage. Rien ne sera plus comme avant, ça sera le virage. Donc ne faites même pas nos maquilleurs. Vos petits trucs comme mettons de serrer les ceintures, serrer. Il faut être prêt, car nous sommes prêts. Mais parlez, vous devez vous apprêter et Isinga. Vous pensez que allez m'afficher dans tout Facebook, fait quoi? Mais une wallowose de la guerre de Facebook depuis 2018, qu'est-ce qui peut me branler? Vous pensez que les vieilles méthodes talibanes de 2018, là, que vous affichez, vous découpez, vous mettez partout, vous m'avez rendu célèbre depuis 2018. Et c'est de plus en plus parce que moi-même me gueule le bâton du commandement. Une seule fille sort, regardez comme une seule. Vous avez envoyé Vassero, non? Vous avez envoyé le découpage de la vidéo de ça. Depuis 2018, on a mis la base dans les six mots, on connaît le combat. Vos petits trucs là, c'est du réchauffé, mais tane, serrez les ceintures, mais ting de cani. Parce que le tout-ci, vous n'avez pas prévu qu'on ne peut pas accepter ça. Vous venez monter devant le monde entier, une arrestation spectaculaire. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas une autopsie légale, il n'y a pas de la scène du crime. Et vous refusez de donner le dossier préliminaire aux enquêteurs. Encore, que vous ne pouvez pas prouver que c'est le corps du mort. Et vous venez du prétendu mort, mon frère Martinez Ogo. Et vous venez vous asseoir ici pour nous dire que le gang du somme là, horatiquement, mettons le métal. On peut être célèbre comme ça, Adama. Je tacle, mettons, je vous ai déjà dit que j'ai le bâton du commandement. Mais vous vous agitez, pourquoi alors que moi j'arrive encore? Vous vous agitez, pourquoi alors que j'arrive encore? Vous vous agitez, pourquoi alors que j'arrive encore? Je suis encore en train de démarrer la voiture, vous êtes déjà au sol. Vous êtes déjà étouffé alors que je n'ai pas... Je dis que... Donc vous êtes déjà étouffé alors que moi j'arrive encore. Je dis que j'arrive encore, mais tout ça. Et avec mes frères et sœurs de lutte, parce que je ne suis pas seul. Et j'appelle à mon gouvernement le soutien comme ça. C'est le Messie. Oh, vous ne faites pas le pouvoir à côté de lui. Vous ne faites pas le pouvoir à côté de lui. C'est le Messie. Il y a Yeshua, d'accord, ainsi. Oui. Personne ne peut être lui. Nous ne voulons pas un autre. Nous voulons lui et lui seul. Ça, c'est du replicant Manosabi. Tu veux consommer des meilleurs mets africains? Tu veux prendre un pot avec ta famille ou tes amis? Le café restaurant Le Retrouvaille chez La Route Sandra est là et vous réserve un accueil chaleureux. Sans oublier que tous les samedis et dimanches, vous pouvez consommer du bon tarot accompagné du bon vin au café restaurant Le Retrouvaille chez La Route Sandra. Le café restaurant Le Retrouvage chez La Douce Sandra est ouvert de lundi à dimanche de 11h à XE. Téléphone 0032 465 53 38 et 66 ou encore le 0032 470 31 35 et 54. Le café restaurant Le Retrouvage chez La Douce Sandra est situé à l'avenue Clémenceau numéro 34 1070 Anderlecht, Bruxelles. Faites un tour juste par curiosité et vous ne serez pas déçus. Uniquement. Il n'y a pas de troc. On veut uniquement lui. Tant qu'il n'est pas dehors, vous allez voir le voirâtre. Même si ça dure 100 000 ans, vous allez voir le voirâtre. Parce que là où on est là, on vous a vu venir. Le coup d'état que vous voulez mettre au Cameroun là. Le coup d'état que vous voulez mettre au Cameroun là. On a dévié ça. Face à face. Menizilingan, vous ne savez même pas d'où je sors. Je viens du monde coupé. Donc vos petites choses que vous êtes en train de faire, que vous m'affichez dans tous les Facebook, continuez, vous faites un très bon boulot pour moi. Rendez-moi encore bien célèbre dans mes framponnements et essayez de multiplier l'information car j'en ai besoin. Que tout le monde sache que Jean-Pierre Amourobeli est tenu pour arrestation illégale et arbitraire. La honte de ça, sans preuve, sans autopsie, sans ADN. Nous l'aimons comme ça, gros comme l'univers, vous n'avez pas imaginé ça. Nous ne pouvons pas dormir tant qu'il n'est pas dehors. Nous ne pouvons pas accepter ça, même un peu. Je dis que même un peu, et c'est votre job là. Vous avez cru que vous pouvez venir me décourager. Moi, je suis venu vous montrer que je vous piétine. Imagine. Je suis venu vous montrer que vous ne me pouvez pas. Vous ne me pouvez pas. Affichez-moi dans tout Facebook. Allez acheter, chercher les ngengerous, les gens qui bavent, qui ont les visages de grenouilles, les asticots, les porcs, puis les rats palmis, les rats d'égout. Allez les chercher tous. Je suis prête. Mais est-ce que je me cache? J'ai dit bonjour, Joséphine.
Je vous dis que c'est quelque chose. On peut être célèbre comme ça. Tout Facebook est en train d'afficher. Vous avez dit que vous allez envoyer Valsero, non? Le toxico-dépendant avec la grosse bouche, la grosse langue kilométrée dans toute sa bouche. Valsero avec une grosse langue qui prend toute la bouche. Vous avez dit que c'est le truc là, la qualité de truc là que vous venez envoyer, que vient me clasher. Valsero, je suis prête. Tous vos petits machins là, mais prête avec tous mes amis de lutte, mes frères et sœurs et mes mères et mes pères de lutte pour les hommes longs. Vous allez voir le voiratre. Vous allez voir le voiratre avec tous les bamilétés qui sont derrière les hommes longs parce que vous êtes en train de dire comment ils veulent faire la concurrence avec vous. Que vous êtes qui? Vos trucs qui ne tiennent pas au Cameroun, tout pour vous, rien pour les autres. Vous croyez que vous êtes les qui? Ce sont ceux qui insultent les hommes longs partout dans Facebook. Et recoupez encore la vidéo que je parle là et partagez-la dans tout Facebook parce que vous aurez des vidéos à découper et à partager. Parce que ne vous arrêtez pas que seulement dans celle de Valsero et de celle de celui-là qui est venu de tendre la pêche aux ennemis là. Celui de Vision 4 là, le vrai Bruno Bijan. Elle remercie, il a remercié tout le monde. L'enfant du pays, un tomba, Bruno. Bruno Bijan, illustre et célèbre, qui aime vraiment les hommes là. L'autre est venu tendre la pêche à l'ennemi pour que l'ennemi commence à utiliser ça. Vous croyez que ça peut nous décourager? Je vous ris, on est. Prenez les vidéos là, vous découpez et vous partagez dans tout Facebook. Je vais être à la une. Hashtag number one, comme je suis en ce moment. Mettez même dans Twitter, c'est un ordre. Allez aussi mettre dans TikTok, c'est un ordre. Mettez dans tous les réseaux sociaux, c'est un ordre. Parce que j'arrive encore. Je me prépare à me gagner l'échauffement. Mettez carré, me gagner dans votre nom, échauffement. Je me mets dans le culot, me gagner l'échauffement. Mettez l'échauffement. Tentez. Deux jours après la disparition de Martinez Ogo, c'est Valsero qui est venu nous raconter ça avec Rémi Mimbon. Rémi Mimbang, que l'homme à la punk a exécuté Martinez Oro pour faire porter le chapeau aux hommes longs. Le type qui a 30 kilos de langue dans la bouche, qui est en train de me dire maintenant qu'il est du côté du homme long. Il appelait Martinez Oro la zozo. La zozo, écoutez. Et il dit maintenant justice pour Martinez Oro pour vous montrer la toxicodépendance, les maîtres, les gens qui font le chantage à l'État, qui vivent pour faire le chantage à l'État. Il disait que la zozo. Oui, il appelait Martinez Ogo que la zozo, comme vous voyez là. Maintenant, il dit que justice pour Martinez Ogo, justice pour Martinez Ogo. Ousmane, général, me bimou coupe, me bimou nyakche là. Général, vaccine, 30 kilos de langue à la bouche, me bimou goué, me bimou coupe, me bimou nyak. Vous tous, on vous emmerde, on arrive encore. Et je vous dis que vous allez seulement multiplier les vidéos sur moi et c'est un ordre. Parce que vous croyez que les petites techniques, nous tous là, les chers, là, les Arnold, Arnold, les Aurélien, on est les anciens combattants. On est connus depuis 2018, c'est-à-dire que vos petites méthodes là, ça, c'est du réchauffé. Nous, on adore ça. Il y a un certain plaisir. Ça veut dire que nous avons frappé. Quand tu vois que j'agite toute la toile, ils sont tous en transe. J'ai framponné. J'ai frappé. Je vous déstabilise. La vérité déstabilise toujours le mensonge. La vérité déstabilise toujours le mensonge. Vous n'avez pas encore pleuré. Donc, là où vous me voyez là, pour me déstabiliser, vous n'êtes pas né. Je dis que j'arrive encore à tâcher les ceintures. Tu me gagnes, me gagne. C'est moi qui vous dis ça. Parce que rien ne sera plus comme avant. Miner l'angoisse tant qu'il n'est pas dehors, même si ça dure 110 ans, vous allez comprendre ce qu'on appelle que pour prendre les. Vous croyez que aller prendre les petites personnes, multiplier les vidéos sur moi, c'est un ordre. J'ai envie d'être au hashtag number one comme je suis là, sur Facebook pendant longtemps, parce que je ne suis pas prête de lâcher, je ne lâcherai jamais. Donc, je veux être, aller aussi à Twitter, aller aussi à TikTok. Vous multipliez les vidéos sur moi là-bas. Un ordre, maman, tu es une carte. Vous n'êtes pas né. Une ancienne combattante de depuis 2018, vous pensez que c'est ça qui est quoi? Vous savez qu'on a mis la base là, j'étais face à face à la base, à l'hôtel intercontinental, moi seule, en 2020, comme a dit ma mère Adèle, moi seule. Oui, et ce n'est surtout pas moi que vos petites conneries là peuvent ébranler. Vous pleurez, je vous fais pleurer, parce que je framponne dans la vérité et je vous mets tous en transe au gré de mes humeurs. Je vous mets tous en transe sur Facebook au gré de mes humeurs, au point où vous allez même appeler les Nkengeru, non, minamina sokolema, un locon, c'est-à-dire qu'un Nkengeru se lève. C'est-à-dire que celui que la vie a d'abord refusé, que ma chance, quelqu'un est déjà né que, ou non, c'est un non. Tout le monde sait comment ces personnes-là sont d'abord discriminées, un non. Vous allez finir, allez même donner à tous vos sales blogueurs qui bavent de tout, de les pimentiers, et vous pouvez dire comme moi. Je demande que c'est un ordre, vous allez multiplier découpage. Celle-ci aussi que je fais là, vous découpez aussi. Tous les jours, parce que j'arrive en paratonnerre et je vais vous cueillir. J'espère que vous avez assez de place, de méga, parce que je ne suis pas prête de lâcher. Je ne lâcherai pas. On vous dépasse avec toutes mes soeurs et frères de lutte. On vous dépasse en tout et on n'est pas prêt de lâcher. Vous n'êtes pas au bout de vos peines. J'étais là-bas, là où vous avez votre culture bizarre avec des totems. Vous n'avez aucune éducation. Vous êtes toujours en train de parler qu'en dessous de la ceinture. Vendeuse d'un piment, l'oncune de ta mère, une sympa. Moi, je suis une digne fille et quand on a d'autres éducations là-bas. Vous venez avec vos trucs de porc là dans mon direct. Je vous ai parlé comme Adam la porcherie et je le sors. Je me lave et je rentre dans mon village étant propre. Je rentre dans votre jupe communautaire là. Je ne suis pas là-dedans. Quand vous venez, vous pensez que vous pouvez être plus ordinaire. Votre chef là, si c'est Soukoudjou, ferait mieux d'éduquer les avortons que vous êtes. Votre chef là ferait mieux d'éduquer ces avortons qui font honte à tout le Cameroun, qui sont sur la pointe pour insulter les hommes et les femmes qui sont en dessous de la ceinture sans argument. Allez vous faire votre éducation là-bas de porc dans les montagnes.
Regardez-moi ça. Ils arrivent dans les directs, des gens, ils ne peuvent pas argumenter la race porcine là. Oh, que des déchets, que, que de la porcherie, le piment, les fesses, le cul, l'anus. C'est quoi ces gens? Quand il fait du bien, Dieu doit te payer par le bien. Quand il fait du mal, Dieu doit te payer par le mal. Quand il fait du bien, Dieu doit te payer par le bien. Vous serez jugé. Ça c'est du replicant Manosabi. Ça c'est du replicant Manosabi.